Salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito, Benito de Massanta. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. C'est votre frère Massanta Benito. Nous allons dire Sadio Bem, comment vas-tu, Ismaël? Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez, s'il vous plaît. Maître Conte, comment vas-tu? Alors, non, non, oui. Famille, on l'est. Donc, bonsoir à tout le monde. Bon vendredi à tout le monde, qu'Allah le Tout-Puissant accepte nos prières. C'est Massanta Benito, Benito de Massanta. Ceux qui sont propriétaires de Massanta, là, allez récupérer Massanta, vous mettez sur vos têtes là, vous envoyez là où vous voulez. Voilà. Je fais ce petit direct par rapport à trois sujets. Cette grande évasion des prisonniers militaires à Koya, ou bien soi-disant évasion des militaires à Koya. Merci à Lucenba. Et venir dire à mon frère Aliouba, Aliouba qui est président d'un petit parti politique. Non, on n'a pas pris compte, on n'a pas prié d'abord. Il est 11h chez nous ici. Voilà. Le dernier point, colonel, comment vas-tu? Le dernier point, c'est par rapport à Charles White qui s'est présenté selon les gens qu'il a respecté la justice, qui s'est présenté devant le tribunal. Je vais commencer par l'évasion des prisonniers à Koya. Je voudrais m'adresser aux Guinéens à travers la dispersion des esprits des Guinéens, l'option de désorienter les Guinéens. Les gens sont en train, ouais, c'est ça mon compte. Les gens sont en train de vous distraire, vous ne comprenez pas. Excusez-moi, chers frères et sœurs, partagez la vidéo, vous avez le problème, vous ne partagez pas. Partagez la vidéo, merci depuis Sigri, partagez la vidéo. Nous sommes dans une transition. Nous sommes dans une période d'exception selon Bala Samoura. Nous sommes dans une période de transition très bien limitée. Dans la vraie définition d'une transition. Parce que celui qui est là n'a pas été élu, n'a pas été choisi par le propriétaire du pouvoir, qui n'est simplement que le peuple. Voilà la définition d'une transition. C'est transitoire, c'est momentané. Cela veut dire automatiquement qu'on sait faire la différence entre un prisonnier civil et un prisonnier militaire. Mais jusque-là, parce que j'ai parlé avec quelqu'un de Koya, personne n'a pris connaissance de l'existence, de la présence d'un tel nombre de militaires dans une prison à Koya. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien.
J'ai parlé avec un frère de Koya qui est abonné sur ma page, qui est irrité, Mariam Bakomba Tikousine, qui est énervé par rapport à l'information. Qui est... Vous avez vu, la vidéo a été signalée. Ma vidéo est signalée, s'il vous plaît. C'est ça même, Damaro. Partagez d'abord, mettez les cœurs. Vous avez vu, ils ont signalé la vidéo. Ils ont signalé la vidéo, s'il vous plaît. Ah, le nom là, mais le nom là me dit beaucoup de choses, me plaît, parole. Parole où mon père a géré, mais sans être là-bas. Il a été muté, c'est sa dernière sous-préfecture à gérer à parole. Respect à vous, mais là, je sais pas c'est qui ça. Monsieur Mariam, et madame Mariam Diallo. Portez-vous bien, merci vraiment, Mariam Diallo. Ouais, mon père a été muté, c'est sa dernière sous-préfecture de gestion, parole. Donc, partagez, vous avez vu, ils ont signalé la vidéo. J'ai vu quelque chose que j'ai jamais vu, ils ont mis comme ça, avec un crochet. La vidéo a été signalée. Partagez, s'il vous plaît. Parlez avec un ressortissant. Vous avez vu, un frère de Koya. Ce frère me dit, il est très irrité, il est très remonté. Pardon, mettez les cœurs, la vidéo est attaquée. Il est très remonté. Pardon, je ne serai pas l'homme, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, pompez, partagez. Donc, ce qui le fait mal, c'est le fait qu'on parle de Koya et que personne parmi la population de Koya, même les gardes pénitentiaires, même les responsables civils ou militaires de Koya, n'ont pas pris connaissance de la présence d'un tel nombre de militaires dans une prison de Koya. Selon ce qu'il m'a dit. Donc, une simple diversion. Personne ne les a vus sortir. Personne n'a entendu parler de ces attaques. N'importe qui peut se lever, tirer deux ou trois coups de fusil. Et bon, non, on dit que c'est des prisonniers qui sont évadés. Je voudrais m'adresser à ce peuple. J'aime beaucoup m'adresser à ce peuple. Vous savez, aujourd'hui, ils ont dit à Idi Amin d'organiser deux ou trois attentats pour dire que notre pays est attaqué, pour faire glisser le calendrier de la transition. Nous le savons très bien. Vous et moi savions très bien qu'ils ont dit au départ, pour arrêter Damaro, que notre pays serait attaqué par, sera du moins, je m'excuse, attaqué par Kankan et par l'abbé, en sautant les Luma et en sautant Sigiri. Notre bonne communication a fait que ils n'ont pas pris cette information-là, ils n'ont pas pris cette situation-là au sérieux afin de manipuler, tromper la population. Parce que il y a des communicants qui ont vécu là-bas, il y a des personnes qui ont séjourné dans les zones-là. Tout le monde sait qu'on ne peut pas attaquer Kankan sans passer par Sigiri ou bien Mandiana. On ne peut pas attaquer l'abbé sans passer par les Luma ou en tout cas Tougué ou autre. On ne peut pas. Et maintenant, ils sont persuadés que les terroristes sont dans une cellule dormante à Conakry. Ça, c'est le début de leur plan. Si vous avez écouté très bien les grandes gueules, ou bien je ne sais pas quel média, qui font référence à l'attaque de Kindia, où notre papa, notre tonton, je salue ma belle, bonjour, si c'est ma belle sœur, ils ont fait allusion à l'attaque de Kindia où moi, mon tonton, a été assassiné. Selon eux, maintenant là, c'est lors de l'attaque d'une prison qui s'est mal tournée et que ces gens-là se sont retrouvés dans le camp de Kindia pour aller assassiner le colonel Condé. Selon eux, selon le débat sur cette radio, il y a un frère, Fred Yakité de Mandiana, qui dit, Benito, il est trop mal au moment, il est trop mal là où il y a Fokana. Parce que en ce temps, personne n'a fait le parallèle. Personne n'a fait le parallèle entre l'attaque de Kindia et une prison centrale de Kindia. Personne. Mais selon les informations, les communications d'alors, ce sont des rebelles qui ont quitté la Sierra Leone quelque part pour venir attaquer le camp de Kindia. Ils n'ont pas attaqué d'autres camps, hein, parce qu'il y a le camp de Kindia, il y a le camp
des commandos samouraïs. Mais aujourd'hui, au niveau de Grande Gueule et partout, selon eux, Colonel Condé a été tué suite à l'attaque d'une maison centrale, une prison, qui a mal tourné. Les gens se sont retrouvés automatiquement devant le camp samouraï pour assassiner Colonel Condé. Et pourtant, le coup d'État qui a fait chuter le professeur Alpha Condé est parti de là. L'attaque du palais Sékou Touré est partie de là. Parce qu'il y a deux personnes, même si vous les donnez des milliards, ils n'accepteront jamais de livrer le professeur Alpha Condé. Et il y a deux personnes, ou bien il y a deux camps, ou bien il y a deux unités, qui ont été spécialement créés pour protéger le palais en cas d'attaque. Merci, Djabi Khalil. Voilà, Djabi Khalil a bien et bien confirmé. C'était l'attaque des rebelles. C'est ce qui a été dit. Mais aujourd'hui, les grands gueules nous parlent de l'attaque d'un commissariat qui s'est mal tourné, se sont retrouvés devant. Vous avez vu? Écoutez bien leur communication. Deux fois, ne soyez pas des personnes trop figées sur vos partis politiques sur neuf. Écoutez un peu les agences là, la manipulation, le jeu. Écoutez. Vous comprenez? Donc, l'unité qui a été créée depuis le temps de l'ancien Conté, le camp là existe pour venir en c'est-à-dire au secours de Conakry lorsque la capitale serait attaquée par des rebelles, ou en tout cas n'importe qui. C'est comme ça le plan de l'armée. L'arrière-plan là a été créé pour ça. Il y a l'unité qu'on appelle le BATA, le bataillon autonome des troupes aéroportées. Le BATA aussi a été créé pour ça. Parce que c'est là le BATA lose les meilleurs des meilleurs des commandos. Les autres unités ont été créées après. Donc, au-delà de la création de cette unité, il y a quelqu'un qui n'allait jamais accepter de livrer Alpha Condé. Même si tu le donnes des milliards, c'était le colonel Condé. Donc il fallait l'éliminer. Et quand j'ai entendu les médias dire, que ce sont les forces spéciales qui sont venues au secours en poursuivant ces rebelles-là jusqu'à Dibreka. Entre Dieu et vous, combien de personnes ont, vous avez vu combien de corps parmi les rebelles-là? Combien de corps nous avons vu dans le pick-up? C'était combien de corps? Il n'y avait que deux corps. Partagez la vidéo parce qu'elle a attaqué. Il n'y avait que deux corps. Et pourtant, nous avons eu des personnes qui nous ont dit que ces corps-là n'étaient pas du tout des personnes étrangères. C'était des vrais Guinéens, des soldats de l'armée régulière qui ont été abattus froidement. D'alors, quelqu'un avait appelé Doumbouya pour lui dire qu'il veut que le président demande le rapport. Parce qu'Alpha Condé était passé par Bokeh pour éviter l'embuscade. Il était passé par Bokeh. En ce temps-là, je parle de ce temps-là, parce que nous, en ce temps, on suivait l'actualité comme ça de près. Vous comprenez? Cher peuple, je m'adresse à vous. Vous êtes le propriétaire du pouvoir, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Merci, frère Bassu, pour les étoiles. Merci beaucoup, grand frère. Merci, grand frère. Vous comprenez? Peuple guinéen, ce matin, les gens se réveillent qu'il y a eu disparition de 81 prisonniers, que ce sont des militaires. 81 militaires dans une petite prison de Koya. Imaginez-vous, moi je voudrais que vous regardiez le chiffre. On parle de 81. 81 personnes réunies dans des chambrettes à Koya. Vous connaissez la prison de Koya, vous aussi. Nous sommes allés à l'école. On n'a même pas besoin d'aller à l'école pour ça. Réfléchissez très bien. 81 personnes libérées par d'autres unités de commando bien armées, vous aussi. Il y a 1,40 km où il y a des blessés. Ne soyons pas si naïfs, cher peuple. Et vous aussi. 81 personnes dans une petite prison à Koya. Des militaires. Hey, vous aussi. Hey. Et pourtant, dans la, comment je peux appeler ça?
Akasa se trouve aujourd'hui le tristement célèbre camp de concentration aujourd'hui. Akasa. Akasa aujourd'hui, où se trouve Sangaré qui coupe les gens avec des lames, un criminel notoire, le cousin de, comment ça s'appelle là, de Spartacus, celui qui est là-bas en train de tuer les gens. 80, vous avez entendu l'arrestation de 81 militaires depuis quand vous avez entendu ça? Depuis que vous êtes né. Donc, ce point-là, c'est pour vous dire, voilà le début du plan de la France pour maintenir Mamadi Doumbouya au pouvoir. Je vous parle de ça, là, prenez ça à la légère. Je m'adresse à vous, peuple de Guinée. C'est le début du maintien de Doumbouya au pouvoir. Retenez, hein, retenez. Comment on peut venir récupérer 81 personnes, il n'y a pas eu la pagaille à Koya, et puis les gens la disparaissent. Et puis, vous avez vu des courses-poursuites après? Non. Moi, j'ai demandé à quelqu'un qui a posté, j'ai dit, est-ce que tu as vu des courses-poursuites? 81 militaires dans des pick-up, dans les taxis et Magdana et autres là. Vraiment, tout le camp militaire allait sortir pour les poursuivre. Mais comment 81 militaires peuvent sortir? Et puis, il n'y a pas de course-poursuite, il n'y a pas de bérou derrière, il n'y a personne derrière vous aussi. Vous êtes des enfants, vous êtes allés à l'école. Et vous aussi, merci Bayon Noy, Yannick, respect à toi. Et vous aussi. Et vous aussi. Aujourd'hui, on connaît un peu le système. Nous ne sommes pas militaires, hein. Mais nous sommes des enfants des militaires ou des oncles militaires. Moi, j'en sais un peu. Dans l'affaire-là, je connais bien. Merci, mon grand, moi seul, Portos, grand Portos. Le camp de Kindia, là, le camp samouraï, là, c'est que le colonel Kondé gérait là. Moi, vous savez, les gens, c'est lorsqu'on a parlé du décès du fils du colonel du camp samouraï, vous savez, c'est Sadiba qui est parti le remplacer. C'est Sadiba qui l'avait remplacé. Et ce plan-là aussi, comme Sadiba, ce n'est plus important. Sinon, on allait expliquer comment Sadiba a été choisi pour remplacer Tinkusomoso Yannick, pour remplacer Colonel Kone. On allait expliquer. Mais ce n'est pas important. Ça, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Mais on connaît le bataille autonome. J'ai dit ça dans plus de 3 ou 4 directs. Le gens là, ça raconte, se sentit fatigué, malade, a très bien réfléchi parce que il a peur qu'il y ait une tension entre les militaires. Tellement que l'ancien raconte aimait le peuple de Guinée. L'ancien raconte ne voulant pas que les militaires se prennent et puis tuent les Guinéens. Il a fait venir Konaté de la frontière. Il a ramené Konaté de Massanta chez nous, qui est un frontalier. Konaté ne connaît que Massanta, les frontières. Il a ramené Konaté pour gérer le bataille. Depuis que Konaté est arrivé, il a fait le bataille, il a donné des consignes, je vous ai expliqué ça. Et Konaté a réuni beaucoup d'officiers supérieurs. Le vieux doit mourir si quelqu'un s'attaque au pouvoir. Konaté, dans un français très simple, vous comprenez, dans un français extrêmement simple, il a été très clair. Il dit, si quelqu'un se lève pour aller prendre le vieux, mets en tête que le lendemain, je vais te prendre. Et je le remets le pouvoir. Donc c'est inutile de s'en prendre au président. Il est malade. Personne ne va l'humilier ici devant nous. C'est le bataille aujourd'hui qui est géré par un individu. Je n'ai pas besoin de dire son nom. Donc, ça c'est le début. Dans deux ou trois jours, mais dans un mois, vous allez entendre un attentat vers les Beyla. Ils vont mettre ça sur Damaro. Un attentat vers Zéroko. Mettez en tête. Gardez ça. Ils vont organiser 2 ou 3 attentats pour dire, voilà, on avait dit que les terroristes sont installés en Guinée, mais ils n'auront pas d'argument parce qu'on sait que le Mali, Assimi Goïta, a renforcé la partie sud qui est frontalée à la Guinée. Il a renforcé les camps vers la Guinée. Il a renforcé son armée. Donc je ne sais pas d'où va sortir ces terroristes-là pour se faufiler du Mali, rentrer par le Mandiana ou Sigiri pour venir attaquer Kankan. Parce que ce qui a été dit par Idi Amin, ou je ne sais pas comment on va dévier l'Elouma avec le parc de Nyokroko Bayar, tourner, venir comme ça, l'Elouma, traverser, venir là-bas, boum, 2 attentats là-bas pour dire, voilà, les touristes. Je me demande,
En tout cas, donc, peuple de Guinée, votre pouvoir est en train de partir. Vous êtes en train de perdre votre pouvoir. Ça vous appartient. Et d'ailleurs, pour terminer ce point-là, qu'est-ce qu'on vous a dit par rapport au voyage de Doumbouya? Les mêmes médias, là, les grandes gueules, ils vous ont dit que Doumbouya, pour son voyage là, il relance la Guinée, pour son voyage, bientôt nous allons avoir des grands projets autour là. Doumbouya va rencontrer des chefs d'État pour tisser des coopérations multi ou bilti, je ne sais pas, lors de son voyage pour une simple investiture du président Erdogan. Les autres pays n'ont même pas fait du bruit par rapport à ça. Jusque là, nous sommes conservés, un investisseur, ça dit, comprenez, et vous aussi, vous n'aurez pas d'investisseur dans ce pays. Vous n'aurez pas de financier dans ce pays. Notre junte est très mal notée par la communauté internationale. Tu peux être une junte, tu peux gérer une junte, mais avoir une très bonne notation où les puissances viennent au secours, ils financent. C'est ce qui s'est passé au Burkina au temps de Zida. Il a montré la volonté de remettre le pouvoir à un civil. Le Canada l'a beaucoup appuyé. Et quand le Canada a appuyé le monsieur, après il s'est retrouvé, toute sa famille au Canada, ses enfants sont en train d'étudier au Canada, sa famille travaille au Canada, tout au Canada. Il a reçu des papiers canadiens, il est resté Zida. Isaac Zida. Les Canadiens sont très bien dans un camp. Les Canadiens, c'est à cause de ça, moi j'aime souvent, je suis ici, je vis ici, je suis d'ici, mais je me dis que les Canadiens sont très forts dans la tête en matière de volonté. Quand ils voient la volonté en toi, non, ils t'appuient, eux-mêmes ils t'appuient. C'est à cause de ça, là, c'est la seule puissance qui donne le fil à retordre au Rwanda. C'est la seule puissance, je m'excuse, qui aujourd'hui qui a peine Paul Kagame. Quand vous rentrez dans la diplomatie du Canada, vous regardez Paul Kagame, c'est un point rouge qui est autour du nom de Paul Kagame. C'est le plus grand criminel de l'histoire d'Afrique, selon le juge canadien, le juge du Montréal, le juge là, qui a épinglé Paul Kagame. Donc, peuple guinéen, ils ont parlé d'attentats. Donc, dites-leur que vous n'êtes pas des enfants. Voilà, 81 personnes ne peuvent pas quitter une prison. Il n'y a pas de course-poursuite, hein. Il n'y a rien. Nous parlons de 81 militaires, parce que selon Charles, le communiqué de Charles que j'ai ici, Sergent Moussa, comment vas-tu? Le communiqué que j'ai ici, là, ce sont des militaires, des vrais commandos qui se sont échappés d'une prison, que les enquêtes se poursuivent. Vous savez, pour la maison centrale a échoué, parce qu'ils voulaient organiser la pagaille à la maison centrale pour faire évader des groupes, des grands prisonniers, pour dire que voilà le banc. Vous savez, ils cherchent un point de chute pour pagailler afin de dire voilà, c'est ce qui nous empêche d'organiser les élections ou de faire. Est-ce que vous avez entendu un département parler de recensement? Vous avez entendu un département parler de projet de carte d'identité, de passeport? Vous aussi, est-ce que vous avez entendu parler de ça? Non. Tout est résumé autour de Charles Wright, de Ali Krief et de Doumbouya. Toute la communication, ou bien toutes les communications sont autour de ces trois personnes-là. Si ce n'est pas Ali Krief, c'est Charles Wright. Si ce n'est pas Charles Wright, c'est Doumbouya. C'est tout. Vous savez, ils ont voulu tromper la communauté internationale en lançant la semaine de recensement de la population. C'est pour tromper le PNUD, le Programme National pour le Développement, le PNUD. Parce que souvent, c'est le PNUD qui finance ça. Voilà. Et vous voyez, jusque-là, ils n'ont pas reçu d'argent. C'est comme le procès du 28 septembre. Ils ont organisé, ils ont invité même Khan à venir. Mais jusque-là, tout récemment, il y a eu des manifestations. Et après, sincèrement, Charles même lui-même est venu dire qu'il s'est pris maintenant de ses primes et autres-là pour faire face à certaines dépenses du procès du 28 septembre. Là, il a raison, parce qu'il n'a pas reçu de l'argent de la communauté internationale. Il a parfaitement raison. Tout a été organisé pour tromper afin de récupérer de l'argent. L'argent, la communauté internationale sait très bien que l'argent n'allait pas servir à financer l'objectif. C'est pour se partager. Vous comprenez? Ça, c'est un. Le deuxième point, M. Aliouba, du parti, je ne sais pas, je ne connais pas ton parti. Aliouba, Paikoum, ce que je voudrais te dire,
tu es venu jusqu'aux États-Unis, tu as passé un bon moment aux États-Unis. Tu étais même à Philadelphie ici, là. Je voulais personnellement me déplacer pour aller te saluer sous recommandation d'une camarade, Aliouba. Mais tu as intervenu en attaquant les anciens ministres, préfets et gouverneurs du Prostat Alpha Condé, Aliouba. Tu as écrit un journal, qui a écrit un document, un livre qui marche très bien, qui marche. Moi-même, j'ai partagé le livre sur ma page. Mais moi, je ne vais pas te conseiller, Aliouba. Il me dit, comment? Tu sais pourquoi je ne vais pas te conseiller? C'est parce que tu es un perdant. Pourquoi tu es un perdant? Je vais te donner l'exemple de Mouktar. Je te donne l'exemple de Mouktar, Mouktar Diallo. Mouktar Diallo était de la société civile, au temps du CNDD. Mouktar Diallo s'est battu, il est devenu quelqu'un. Mouktar Diallo. Mouktar Diallo a été ministre, il a bataillé, il a été blessé au temps du CNDD. Et nous connaissons là, il est là actuellement aux États-Unis, Mouktar est là. Mouktar est une personne très intelligente, il est parti se former après avoir été élevé à son poste, il est parti faire son doctorat, oui, achever ses études. Tu devais faire autant. Mais tu sais, venir attaquer les anciens ministres d'Alpha Condé et autres là, ne distrait personne. Aliouba, tu es un petit frère, Mihal Antegonga. Cela ne distrait personne. Ça distrait personne. Moi, quand je n'aime pas écouter les chefs des partis politiques là. La seule personne que je peux écouter un peu là, c'est celle d'Alain Diallo. Tu comprends? Mais même quand tu as voulu ça, tu as voulu parce que tu fais croire aux gens que tu n'as jamais voulu s'associer à Selou. C'est faux. Tu as fait comprendre aux gens que Selou est venu vers toi, le l'IFDG, t'a couru et voulait que tu s'associes pour dissoudre ton parti. C'est faux. Parce que c'est que toi, tu as voulu que tu sois le numéro 2. Après, Selou, c'est toi. C'est-à-dire pour préparer la succession de Selou Diallo. C'est ce que tu as voulu. Et pourtant, il y a des grandes personnes au sein de l'IFDG. Il y a des personnes qui ont la tête calée plus des docteurs, des professeurs, plus que toi. Parce qu'à ma connaissance, tu n'arrives pas plus. Tu n'es pas plus cultivé que Selou Baldé. Tu n'es pas plus ancien. Tu ne connais pas la politique. Toi, tu es un enfant. Tu viens d'arriver. Si tu es âgé, tu es entre 34 et 35 ans. En tout cas, à ma connaissance, c'est entre 35 et 36 ans, c'est ce que tu as. Mais les Selou Baldé, c'est des calais de l'IFDG, les Ablaïba. Mais c'est que, moi je te dis, tu ne es. C'est ce que j'ai dit à beaucoup d'amis qui se sont énervés, qui m'ont écrit Benito Ebra, Luba, Encore, laissez-le. C'est un petit. Quand tu es venu ici là, je te dis. Je sais quand tu verras la vidéo, tu vas m'écrire ou bien tu feras un signe. Je vais te dire, celle qui m'a demandé de partir te rencontrer. D'aller me déplacer. Là, parce que là où tu avais fait ta conférence, n'est pas loin de logement de ma tante. Je pouvais me déplacer. J'étais au centre de Philly ce jour-là. Mais tu sais, ce qui n'est Benito là. Ce qui ne l'intéresse pas là, il ne se mêle pas dedans. Même quand mon oncle, Selou Diallo, est venu ici là, je voulais me déplacer. J'ai été invité pour aller. Mais celui qui m'a invité, je lui ai dit qu'à cause d'une personne, je ne vais pas me déplacer. Parce qu'il a insulté la maman et le papa de Alpha Condé. Oui, le poste est là-bas. Il me dit, ah bon, je lui ai j'ai pris le poste de la personne, je lui ai envoyé. C'est un grand frère, il a fait la différence ici. Je me limite avec son nom de famille, M. Diallo. Il est là, il a une boutique. Il est très bien implanté à Philly. Il a fait plus de 20 ans ici. Il m'a invité. J'ai dit oui, je quand on l'a déplacé à Miami et Tabé. Mais à cause de ça, ça, je lui ai expliqué, j'ai envoyé les preuves. Ce jour-là, il s'est très touché. Il a insulté la maman, le papa et Alpha Condé dans le pantalon. Et il est membre de la commission d'organisation de la réception de la Selou Diallo. Comme j'ai du respect pour Elage, parce que si je partais, j'allais le manquer de respect. C'est un grand frère, mais ce qui va sortir de ma bouche, là, il va entendre. Donc, Aliouba, moi, je ne perds pas mon temps. Pourquoi j'ai mis ton nom? C'est pour te dire que
que tu n'es pas important. Tu devais te préoccuper plus tôt pour faire partir le pouvoir. Tu as vu Gianni Alpha, tu as vu les Big Sous, les autres là. Ils se battent avec les autres jeunes pour faire partir la gente. Parce que l'attitude, le comportement, la note de la gente est négative, sur tous les plans. Je croyais que tu étais un intellectuel. Même ceux qui ont vu Alpha Condé aujourd'hui ne parlent plus de son passé, la gestion. Parce que si nous comparons les gestions dans ce pays-là, je pense que Alpha Condé est numéro un. Sur tous les plans, si nous parlons de gestion dans ce pays-là, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, Alpha Condé est numéro un. Tu comprends? Alpha Condé est numéro un. Est-ce que vous comprenez? Excusez. Donc, ce qui se passe, parce que tu n'as pas le kilo de parler des 400 et quelques milliards. Tu n'as pas le kilo de parler des faux diplômes. Voilà mon tonton, faux de Ousse Fofana, que lui ose, il a dit, que Mamadi Doumbouya doit d'abord poursuivre ceux qui ont présenté des faux diplômes. Ça, c'est une réalité. Voilà des personnes. C'est à cause de ça que je dis que tu n'es pas un politicien, tu es un opportuniste. Tu as créé ton parti, tu veux te faire voir. Et moi, je te mets en garde. Je te mets en garde. J'ai beaucoup de respect pour les gens, pour les ressortissants de l'Abbé, des gens de l'Abbé. Big Bro Labou qui est un respect. La terre de l'Abbé là, a mon papa sous le sol. Mon papa est sous le sol est sous le sol de l'Abbé, mon père, à Concola. Ça là seulement, j'ai du respect. La façon dont mon père a été enterré, la façon dont il a été, son enterrement a été géré, était d'une satisfaction énorme pour toute la famille. Nous avons une reconnaissance, une dette envers l'abbé. Mais je mettrai ça de côté pour m'occuper de toi, spécialement si tu reviens sur un cadre du procès Alpha Condé. Parce que je pense, si nous prenons les cadres qui ont travaillé avec le procès Alpha Condé, je ne vois pas quelqu'un que tu peux dire que tu es plus instruit ou tu connais la gestion plus que ce dernier. D'abord, tu as un petit parti. Regarde le hangar que tu appelles siège d'un parti politique. Tu peux comparer ça avec plus arc-en-ciel. Nous avons des cadres, docteurs, professeurs qui ont fait leur mieux. Au même, qu'est-ce que tu en dis par rapport aux barrages construits? Qu'est-ce que tu en dis par rapport aux hôtels construits? Ce sont des départements qui ont construit ces hôtels et barrages. Qu'est-ce que tu en dis par rapport à tous les projets obtenus par rapport aux routes qui sont en train d'être faites aujourd'hui? C'est obtenu par le gouvernement du Post-Afrique. Qu'est-ce que tu en dis par rapport à la gestion des boursiers d'État à l'étranger? Il n'y a jamais eu de cri. Pourquoi tu peux parler de ça par rapport aujourd'hui? Partout dans le monde, nos étudiants pleurent. Les gens n'ont pas leur bourse, ils n'ont pas leur argent depuis 9, 11 mois. Pourquoi tu... C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas du passé. Quand tu te flanques pour dire, depuis tant d'Alpha Condé, moi j'avais dit ça, mais qu'est-ce que tu avais dit? Et qu'est-ce que tu avais fait? S'il y a quelqu'un qui a tenu tête à Alpha Condé, qui a organisé des manifestations, c'est Elastro Dalé Diallo. Voilà le vrai opposant. Voilà celui qui a le droit de parler. Lui, il a le droit de parler parce que lui, il a combattu. Même lorsque le poste Alpha Condé s'est déplacé pour aller le saluer. Le jour du décès de son grand frère. C'est que c'est lui a dit, c'est une réalité. Nous avons apprécié. Parce que lui, il dit ce qui est dans son cœur. Ce n'est pas un escroc. Mais vous êtes des escrocs. Vous êtes des escrocs. Si tu étais sorti pour attaquer un ministre d'Alpha Condé en ce temps-là, on pouvait comprendre. Mais aujourd'hui, celui qui peut attaquer le ministre de Doumbouya, c'est le Fode Ousou Fofana. C'est les Ablaïba qui osent laisser Loubalé, qui osent dire la vérité sur les ministres actuels. Mais est-ce que toi, tu es culotté pour le dire? Non. Qu'est-ce que tu veux nous dire? D'abord, ce que je veux te dire, quand tu es une petite personne, occupe-toi de ton parti. Moi, j'ai dit à beaucoup de personnes, à qui veut l'entendre, qu'on nous lance dans une compétition électorale. Actuellement là, même, c'est pour vous dire que, même si on répète encore une fois, la bataille restreinte l'IFDG et le RPG, malgré qu'aujourd'hui on a été humilié, on veut nous dessiquer, c'est-à-dire on veut nous détruire, on veut détruire le RPG, on veut nous mettre plat, mais en réalité, si nous partons dans une élection aujourd'hui,
le combat va rester entre l'œuf de Dieu et l'œuf de Dieu encore. C'est le même match. C'est le même match. Je ne vois pas un petit parti politique qui peut arriver à la cheville du RPG. Ça n'existe pas. Nous avons un seul rival. Et depuis le temps, c'est le seul rival que le RPG a, c'est l'IFDG. Même hélas, je l'ai dit, nous n'avons qu'un seul concurrent. Un seul, c'est le RPG arc-en-ciel. Frère Balionoy, occupe-toi de ton parti. Si tu sais critiquer là, critique la gestion actuelle. En tout cas, les autres, c'est ce qu'ils font actuellement là. Hein. Le temps d'Alpha Condé là, il n'y a pas ce que Yanni Alpha n'a pas dit sur Alpha Condé, les postes d'avant, même les Big Sou. Mais Yanni Alpha est quelqu'un de positif. Aujourd'hui, il dit une tourment. Le jour même Alpha Condé a commencé à sortir, il dit une tourment. Il dit, je parle avec toi. Il a dit, oui, il s'abuse avec les mots. C'est son tourment, il s'appelle tous Alpha. Mais c'est pour venir nous rappeler des choses qui sont extrêmement fortes. C'est parce que tu sais qu'on ne peut pas te poursuivre. Parce que tu racontes là, on peut demander des preuves. Oui, ce que tu racontes là. On a comme Marco de je dis, ça va, là, ça dit, Adal d'imprise, mais on m'a poursuivi. Ah, on peut pousser loin. Mais, RPG, qu'au parti gauche, on m'a rival, on est dit, qu'au IFDG. Maintenant, qu'au IFDG, discute avec RPG. Maintenant, qu'au IFR, discute avec RPG. Non, qu'au parti, on m'a parti chambre, oui, intéressé, mais. Anne, tu veux te donner une place dans ce pays-là. Et pourtant, devant nous, là, tu es une petite personne. Tu n'arrives même pas au niveau du centième personne du RPG. Tu n'arrives même pas. Quand on fait le classement des personnalités, tu es dans le 1200. Parce qu'on peut aligner le RPG, l'IFDG, à Rio Bao. Donc, toi, tu as quoi à nous dire dans la gestion? Je l'ai dit depuis un an et demi. Je demande à quiconque de venir faire le tableau de toutes les gestions dans ce pays-là. Venons faire le tableau des gestions dans ce pays-là. C'est terminé. C'est-à-dire, levez-vous les petits partis politiques là. Il y a un tableau. Il y a un PIP, CNRD. On place entreprise, on place agriculture, on place tout. Il y a un classement d'arrêt. Qui va sortir? Qui va être premier? C'est ça, il s'agit. Le bavardage inutile là, tout le monde sait le faire. Mais bête pas le Kudjokodako petit. Nous allons te mettre à ta place. Donc, comme toi tu es revenu pour ne pas aller en prison, tu veux éviter de dire la vérité. Mais nous allons t'envoyer en prison. Il faut continuer dans ça. Et je vais terminer par ce dernier point. Ce qui poste là que Charles White s'est présenté au tribunal et autres là. Gardez ça pour vous. Charles White là. C'est pas actuellement là, Charles White va aller en prison. Ce n'est pas actuellement là que Charles White, je dis bien, que Charles White va répondre devant une justice. Le moment viendra où Charles White fera face à une vraie justice. Le moment viendra. Lui-même, il est ministre de la justice. Voilà, c'est ça mon père, Colemo, a dit. Il dit, il interprète les tests judiciaires. Bon le sang, c'est-à-dire celui seul qui connaît interpréter les termes là. Celui seul qui sait la définition de la justice. Celui seul qui sait qu'est-ce qu'une justice, une loi judiciaire. Il est le seul, il interprète tout à sa manière. Donc, votre cirque là, comme dit mon frère Marcus là, c'est du cinéma. Quelqu'un qui a un boubou, il va avec ses gardes-corps. Mais normalement, quand, la façon dont vous avez fait pour Fode Oussou, la façon dont vous avez fait pour Selou, la façon dont vous avez fait, nous avons vu les gens la convoquer. Est-ce qu'ils ont été accompagnés par un militaire? Est-ce qu'ils ont été accompagnés par un militaire? Non. Quand ils sont arrivés, ils ont lavé leurs mains comme ça là. Ils ont lavé leurs mains et puis on les a laissés partir. Mais Charles,
Lui, Charles White, il vient avec ses gardes du corps. Il y a d'autres même qui attendaient à la porte. En France, nous avons vu des ministres qui ont répondu à la justice. Mais aucun militaire, les gardes, personne ne les a accompagnés. Je parle de la France. Même dans les autres pays, on n'a aucun militaire. Nous avons vu Ousmane Sonko convoqué au tribunal, mais Ousmane Sonko n'est pas parti avec un militaire. Donc il va, il est assis aussi au niveau du tribunal, les militaires sont à côté. Vous aussi, c'est un convoqué ça, n'importe quoi. Lui, c'est prêt à faire ses gardes corps pour aller là-bas et les garder parce que non, Charles s'est présenté. Donc la justice est transparente. La justice est transparente. La justice est transparente. Ah, vous voulez montrer à la communauté internationale qu'il y a la justice en Guinée. Vous savez, ce qui me plaît, c'est pas la France qui note la situation judiciaire en Afrique, surtout en Guinée. Il y a des services spéciaux, il y a des organisations internationales qui notent. Qui notent, c'est ça même Doy. Sarkozy est parti au tribunal, il n'avait pas de garde du corps. Hein. Il y a des services, il y a des ONG, il y a des organisations qui sont chargées de noter un pays par rapport à sa situation judiciaire. Ne vous en faites pas. Si vous êtes sûr que votre justice est transparente, allez-y voir le classement de la Guinée en matière de droits de l'homme. Vous allez comprendre. Quand vous allez voir votre classement, vous allez vous taire. Voilà. Vous les petits communicants du CNRD, ou je ne sais pas, ceux qui reçoivent 200, 300 000 pour venir poster, pour nous insulter là, allez-y voir le classement de la Guinée actuelle. Portière bas, judiciaire bas, droits de l'homme bas. Prenez tout, classez, vous allez voir votre pays. Votre pays, on ne le voit plus. Même dans les 1000 premiers, on ne le voit plus. Alpha Condé, lui, là, Alpha Condé a ramené notre pays sur le plan portuaire, là, numéro 1 en Afrique occidentale. Alpha Condé était en train de nous ramener au sommet. Jusqu'à occuper la présidence de l'Union africaine, occuper toutes rester à la tête des grandes organisations internationales. Aujourd'hui, Ambalo va rendre la tablette. Hein? Ambalo, aujourd'hui, le problème, la France veut que les présidents votent pour le président togolais. La CEDEAO, comme ce sont des marionnettes de la France, votent pour, sinon dans les conditions normales, sur le tour d'un pays anglophone. La présence de la CEDEAO, c'est une présence tournante. Après un pays lusophone, c'est un pays anglophone. Après un pays anglophone, c'est un pays francophone. Mais, curieusement, on veut prendre un pays francophone à la place d'un pays anglophone. Sinon, c'est le tour d'un pays anglophone. Et parmi les pays anglophones, c'était George Weah, le Libéria, qui devait occuper la présence de la CEDEAO. Et tout le monde connaît les dents de Weah contre les militaires. George Weah était un démocrate. Il a été un footballeur, le seul à avoir le ballon d'or. C'est un démocrate. Weah est un démocrate. Mais on ne... C'est-à-dire, la France veut changer la rotation. Non, c'est extraordinaire. Oh, non, les chefs d'État de l'Afrique dans sont extraordinaires. Depuis les temps anciens, là, après francophone, c'est lusophone. Après lusophone, c'est anglophone. Après anglophone, c'est comme ça, ça tourne. Mais maintenant, là, on ne veut plus qu'un pays anglophone prenne. Le pays anglophone doit attendre. Parce que celui qui doit forcément prendre la présence, là, on ne veut pas voir son nez. On ne veut pas que Weah, parce que Weah était très clair. Weah, à un moment-là, avait même menacé. Il dit qu'il ne va pas au sommet du Nigeria tant que lui n'a pas une garantie que les pays seront sanctionnés. La Guinée sera sanctionnée. Et quand on est parti, la Guinée a été sanctionnée. Les premières sanctions ont commencé là-bas. Et vous connaissez les pays anglophones, ce ne sont pas des escrocs. Voilà, eux, là, ils ne sont pas comme la France. Quand les pays anglophones gèrent une organisation internationale, c'est comme ça, c'est droit. Mon frère forestier de sang, frère Lamant. Nisseo, Katoa, c'est comme ça. Mais quand c'est les pays francophones, c'est les escrocs. Mais tout le monde connaît le président togolais. Le président togolais, il est là depuis 2005. Moi, j'ai fini mes études en 2005. C'est l'année où moi, j'ai fini mes études là, que lui, il est venu au pouvoir. Depuis 2005, jusqu'au jour de calculer, ça fait combien d'années il est au pouvoir? Vous qui parlez de troisième mandat. Hein? Vous qui parlez de troisième mandat, depuis 2005, il a remplacé son père. Et dès qu'il est venu, il a commencé par prendre son frère. Son frère. Depuis que son frère est en résidence surveillée, jusque-là, son frère est en résidence surveillée. Combien de femmes? Plus de 4 femmes, des petites. C'est lui qui va prendre la présidence là. L'argument qu'ils sont en train de placer actuellement là, que grâce à lui, le problème des soldats ivoiriens là, a été réglé au Mali.
Mais on connaît, on connaît pour qui roule Alassane Ouattara en Afrique. On connaît. On n'a pas besoin de dire que son nom. Hein. Pour qui Alassane Ouattara roule? Tout le monde le sait. Voilà, donc portez-vous bien. La vue a été très longue. Je ne voulais pas qu'il soit longue, mais merci. Portez-vous très bien. En attendant, là, gardez votre cirque là pour vous. Que Charles va se présenter ou pas. Quelqu'un qui se présente au tribunal, on ne va pas avec les militaires. Donc portez-vous très bien. Merci à tout le monde. Voilà.